Des casseroles pleines de purée et de pleurotes, des papillotes de cabillaud dans le four. Hilal est en 7e année à l'école hôtelière Stassard à Malines. Pour lui, la cuisine, c'est une passion de longue date. J'aime le travail ardu, servir beaucoup de personnes en peu de temps et travailler vite. Pendant les 15 jours du salon de l'alimentation, ce restaurant éphémère, ce pop-up restaurant, est ouvert à 5 écoles hôtelières. L'occasion pour Hilal et ses camarades de se tester dans de vraies conditions de travail, que ce soit en salle ou en cuisine. L'idée de base est on met un local donc à disposition, on met une cuisine à disposition, on met un restaurant à disposition, on met les ingrédients aussi à disposition pour les écoles hôtelières. À partir des mêmes ingrédients, toutes ces écoles doivent composer un menu entrée, plat, dessert. Aujourd'hui, le choix de la carte semble bien démarrer. Jusqu'à présent, c'est parfait. On n'est qu'à l'entrée, on verra la suite. C'est très délicieux, mais je dois encore commencer. Mais ce que j'ai eu d'abord comme entrée, c'était déjà très bien. C'était du risotto. Une façon pour ses clients de déguster les mets des élèves et pas seulement. C'est de créer peut-être de l'envie pour des jeunes qui passeraient au salon de voir qu'il y a des métiers nobles. Il y a certains secteurs de l'hôtellerie qui sont en pénurie de main-d'œuvre. Et donc, c'est peut-être l'occasion justement de voir que ces métiers sont nobles et méritent d'être mis en évidence. Parmi les métiers liés à l'alimentation, il manque principalement à Bruxelles et en Wallonie des bouchers, des pâtissiers et des cuisiniers.